Nous sommes ravis de vous avoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ordonne à la DATI une fois encore devant ses mandants pour un exercice de reddition de comptes. Et dans une démarche explicative, le député de la 16e circonscription électorale a abordé avec ses interlocuteurs de circonstances plusieurs sujets en lien avec la vie et l'actualité de l'Assemblée nationale. Akino Seni et Elvis Tonoukouen feront le point dans ce journal. Nous irons ensuite au marché à bétail de Tchaourou, où les usagers disposent désormais de nouvelles infrastructures. Des infrastructures marchandes réalisées par l'Organisation néerlandaise de développement SNV avec l'appui financier de la coopération suisse. Elles ont été mises en service cette semaine sous les yeux de Loukmane Routchéou et Ibrahim Boukounouré, qui nous feront le compte rendu dans un instant. Et puis en fin de journal, nous parlerons sport avec la Caisse nationale de sécurité sociale qui célèbre ses talents pour le compte de cette saison sportive. Une occasion saisie pour présenter les performances réalisées par les clubs qui font parler de cette structure dans les championnats nationaux. Lumière a surtout été faite sur deux disciplines, le handball et le football. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Ordonne à la DATI une fois encore devant ses mandants pour le traditionnel exercice de reddition de comptes. Et dans une démarche explicative, le député de la 16e circonscription électorale a abordé avec ses interlocuteurs de circonstances plusieurs sujets en lien avec la vie et l'actualité de l'Assemblée nationale. Regardez. Il a fait salle comble. Ses interlocuteurs, les mandants de la 16e circonscription électorale, ont répondu présents pour entendre, comprendre et exprimer leur inquiétude. Ordonne à la DATI, député à l'Assemblée nationale, est dans un exercice de redevabilité. L'initiative n'est pas nouvelle, elle tient désormais d'une tradition. Comme j'ai l'habitude de le faire, c'est une séance de reddition de comptes. À la 7e législature, je le faisais très régulièrement même. Puis a eu la réforme du système partisan. En réalité, quand il y a une bonne habitude, il ne faut pas la perdre. La mobilisation des élus, invités et des personnalités présentes témoigne de la soif de ces derniers d'échanger de temps en temps avec les élus du peuple qu'ils ont librement choisi de parler et d'agir en leur nom au palais des gouverneurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que le député ordonne à la DATI a tenu à lever le voile sur le fonctionnement de l'institution parlementaire. Je vais expliquer un peu comment le travail se fait là-bas, pour que vous aussi, vous puissiez connaître votre part dans le processus de la prise des lois. Pour ce faire, je vais vous lire quelques dispositions de nos textes. Le Parlement est régi par deux textes essentiels. C'est la Constitution et c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà les deux textes fondamentaux qui régissent le travail du député, le travail parlementaire. L'article 87 de la Constitution dit « L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. » Dans l'exercice du pouvoir législatif, le député ordonne à la DATI va apprendre à ses mandants que du 16 mai 2019 à ce jour, 85 lois ont été votées, soit 26 en 2019, 39 en 2020, 16 en 2021 et déjà 4 en 2022. La moisson paraît bonne, mais elle a suscité des réactions dans le rang des élus présents. Ordonne à la DATI va devoir expliquer. Moi, je ne peux pas rester ici pour dire que c'est bon pour tout le monde de la même façon. Non, il y a des efforts. Les bois usages d'habitation, c'est vrai. C'est toujours pour alléger les formalités par rapport aux usagers. C'est pour ça que le législateur a voulu alléger les formalités. Mais dans ça, naturellement, nous entendons très bien les sécurités, mais on fait des transactions dans notre milieu, nous n'en sommes pas témoins, et on nous appelle pour gérer les problèmes qui se posent. Nous allons continuer les réflexions sur ça, chers amis. De toute évidence, l'exercice auquel s'est adonné le député ordonne à la DATI a eu le mérite de clarifier des zones d'ombre demandant de la 16e circonscription électorale qui, tout en l'encourageant, souhaite que ses collègues de la même circonscription, en particulier tous les autres élus de la nation, multiplient ces séances de reddition de comptes qui sont un devoir républicain. Pour régir
cela. Voilà, nous allons prendre la direction du département des Collines pour évoquer la première session du conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2022 au menu. Plusieurs points, notamment la question de la sécurité dans la région. Les participants ont eu à se prononcer sur des thématiques précises après plusieurs communications présentées. Voici les détails avec Imet Selena Moussou et Georges Vaudonon. La session est la dernière que tiennent les acteurs conformément aux actuelles lois sur la décentralisation, notamment la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. En effet, nos sessions ordinaires se tiendront désormais en février et en novembre et non en janvier et en octobre. Mieux, la composition du conseil est étendue à d'autres membres. Ces nouveautés sont précisées aux articles 18 et 20 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Mais en attendant la mise en application des nouvelles dispositions, chefs services déconcentrés, les maires et leurs adjoints ainsi que bien d'autres acteurs se sont réunis autour du préfet des Collines pour cette première session ordinaire au titre de l'année en cours du conseil départemental de concertation et de coordination. Ils vont suivre d'abord une présentation des résultats obtenus dans les communes en termes de partenariat avec le projet approche communale pour le marché agricole ACMA 2. Nous avons été suffisamment édifiés à travers donc, les ouvrages entrant dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux, entrant dans le cadre d'organiser les agriculteurs, les acteurs économiques au niveau donc, de nos différentes communes. Nous avons passé en revue les difficultés. On s'est projeté également dans les perspectives pour une meilleure pérennisation des acquis donc, de ce projet-là. Nous avons insisté également sur les plaidoyers. Les acteurs au niveau des différentes communes doivent accompagner les utilisateurs des infrastructures dans le sens de la mobilisation, le règlement des conflits pour que nous puissions avoir une grande capacité d'utilisation de ces infrastructures. Avant les divers, il a également été fait le point du niveau d'évaluation du plan de développement communal PDC 3e génération. Les participants ont aussi ensuite eu droit à une seconde présentation. Elle a porté sur la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé, ses activités et la gestion des plaintes dans la région des Collines. Les 784 qui sont membres de la plateforme ici, ce n'est qu'en fait les répondants. Ça veut dire en fait en dehors d'eux, il y a quand même toute la communauté. Cette année, les PDC 3e génération viennent à terme et donc il est nécessaire de faire le point, une évaluation globale pour qu'on puisse avoir le chemin parcouru et aussi envisager la réalisation de la 4e génération, donc les PD4. Pour qu'il n'y ait pas un vide de programmation. En plus des différents points abordés à cette session du CDCC, une mention a été faite pour ce qui concerne la sécurité. Dans le domaine, il reste des efforts à faire et chacun des acteurs a rassuré le préfet a pris l'engagement de s'impliquer davantage afin d'assurer une plus grande quiétude dans le département. Un peu plus au nord, il est question de la lutte contre l'extrémisme dans les communes frontalières de l'Atakora Ouest. Le sujet est au centre des préoccupations au sein de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga Akkad. Ensemble avec la coopération suisse, cette association vient de lancer un projet intitulé « Redevabilité comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent bien sûr, dans les communes de la région ». Voici les détails avec Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrissou. La coopération suisse et l'association des communes de l'Atakora et de la Donga Akkad, plus que jamais engagées à contrecarrer l'extrémisme violent, elles matérialisent leur ambition à travers le projet dénommé Redevabilité comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent dans les communes frontalières de l'Atakora Ouest. Un projet qui vise principalement l'amélioration de la qualité des soins de santé offerts aux populations à travers des espaces de dialogue, d'interpellation et de demande de redevabilité pour lutter contre l'extrémisme violent dans les communes de Tanguieta, Materi et Bukumbe. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que les communes frontalières de tous les pays sont exposées à des élans d'extrémisme. C'est pour cela que le secteur de la santé est choisi en se focalisant sur la qualité des soins administrés aux populations
pour ainsi minimiser leurs frustrations qui sont un des parchemins de l'extrémisme. Ce fléau a fort pouvoir d'expansion si on y prend garde. C'est donc une approche préventive que préconisent l'ACAD et son partenaire suisse, déterminés à améliorer la qualité des prestations sanitaires offertes aux usagers des centres de santé dans la zone d'intervention du dit projet. Grâce à ce projet, nous allons amener nos parents à de plus en plus s'exprimer, de plus en plus dire ce qui ne va pas dans les centres de santé, pour qu'ensemble nous puissions corriger le tir. Le présent projet qui intervient dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire mettra l'accent sur le dialogue permanent entre les communautés locales, les professionnels de santé et autorités communales en vue de garantir durablement la qualité des soins dans les communes concernées par le dit projet. Ce projet vient à point nommé car il touche un volet cher à notre pays, l'extrémisme violent. Il s'aligne aux priorités stratégiques du Bénin, notamment le premier pilier du PAG 2021-2026, consolider l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance, l'axe 4, gouvernance efficace et inclusive du plan national de développement 2018-2025, qui concerne l'amélioration de la gouvernance locale, la prise en compte du genre et la redevabilité. Je m'en voudrais de ne pas dire toute ma gratitude à l'endroit de la coopération CIS qui reste à nos côtés chaque fois que le besoin se fait sentir. Pour preuve, les communes ont bénéficié de votre appui à l'élaboration de nos plans communaux de développement agricole, entre autres. À travers cette démarche, la coopération suisse et l'ACAD se donnent ainsi la main pour un meilleur accès aux soins de santé. Objet du présent projet, lancé ce mercredi 2 février à Tanguieta. Notre commune d'intervention, les trois, sont fortement. Voilà, retour dans les collines pour parler du social. Il s'agit des victimes du naufrage de Okeowo dans la commune de Savè qui ont reçu cette semaine la visite de la coordination départementale de l'Union progressiste dans les collines. Eh bien, les membres de cette coordination sont allés leur offrir un important lot de vivres, de gilets, de sauvetage et bien d'autres matériels. Un geste qui a été suivi des conseils prodigués aux populations après ce drame qui, il faut vous le rappeler, avait fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Compte rendu, Imet Hélène Amosso et Georges Vaudenon. Plus de trois mois après le drame de Okeowo, les bonnes volontés affluent toujours dans la localité. À la suite de plusieurs autres, les populations ont reçu ce week-end la visite d'une délégation de la coordination départementale de l'Union progressiste. L'équipe conduite par l'honorable Edmond Agua est allée témoigner de la solidarité et du soutien aux familles. Qu'ils vous souviennent, un naufrage a fait sur le fleuve Okpara plusieurs morts et des dégâts matériels. Nous avons fait tout le temps que nous avons fait, mais je pense que notre arrivée va rentrer dans l'histoire. Nous avons décidé d'aller voir ceux qui ont été éplorés. C'est vrai que tout ce que nous ferons ou nous aurons à faire ne pourra jamais remplacer ou remettre le dégât en place. Mais il est humain que nous puissions aller saluer et remonter un peu le moral à nos frères et sœurs qui sont de ce village. Okeowo. Dans leur descente, les visiteurs sont allés les bras chargés. Ils ont apporté une tonne de riz, des gilets de sauvetage, en plus une enveloppe financière. La remise des vivres et autres a été suivie d'une séance d'échange. Les explications des populations pour décrire les circonstances dans lesquelles l'accident fluvial est survenu ont également amené les membres de la délégation à leur prodiguer des conseils. Nous sommes venus, comme je viens de le dire tantôt en Nago, avec des éléments pouvant permettre aux piroguiers surtout, des éléments pouvant leur permettre d'éviter ce qui s'est passé. C'est un élément triste que nous devons corriger, c'est un élément que nous devons éviter. Et vous devez avoir sur vous des gilets de sauvetage. Quand nous nous sommes rendus sur le terrain, nous avons vu que les bacs qui sont là ne sont pas des bacs à transporter des hommes. Et il n'y avait que ces bacs-là. Là, eux-mêmes ont reconnu qu'ils n'ont que ça. Donc, c'est de s'organiser pour aller vers
des gens beaucoup plus structurés, organisés au niveau de l'État, pour qu'on puisse leur donner une formation en cette matière-là, en matière de conduite sur le fleuve. Vous avez constaté vous-même que les populations sont très, très contentes de notre arrivée, puisque vous avez vu vous-même la qualité des pirogues que nous avons rencontrées sur le terrain. Non, non, je crois que le Bénin n'est plus à ce niveau. Face à cet état de choses, les autorités au plus haut niveau sont appelées à faire diligence afin que le nécessaire soit fait et pour que de pareilles mésaventures ne se reproduisent. À Tchaourou, les usagers du marché à bétail disposent désormais de nouvelles infrastructures. Des infrastructures marchandes réalisées par l'Organisation néerlandaise de développement SNV avec l'appui de la coopération suisse. Et ceci dans le cadre de la deuxième phase du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes. Et les ouvrages ont été mis en service cette semaine sous les yeux de Loukman Oroutchéou et Ibrahim Boukounouré, dont voici le compte rendu. L'acte qui consacre la mise en service de la réalisation complémentaire des infrastructures marchandes au marché à bétail de Tchaourou. Devant autorités politico-administratives, sages, élus locaux et communaux, ainsi que des partenaires techniques et financiers, ces ouvrages sont officiellement remis aux bénéficiaires, ceci dans le cadre du programme PDM. La deuxième phase de ce projet est implémentée par SNV, Swiss Contact et APIC. Nous avons construit des infrastructures un peu partout dans le pays. Quelques exemples, le parc à bus à Boïcon, le marché international à Glasoué, le marché à Peunco, qui est en train d'être construit presque entièrement en BTC, donc au plan architecture, ce sera très intéressant. Le marché à Malanville, des hangars pour les groupements féminins à Faubouré et à Banekouara. D'un montant de près de 250 millions de francs CFA, ces différentes infrastructures sont réalisées par l'Organisation néerlandaise de développement, SNV, appuyée financièrement par la coopération suisse, engagée à accompagner les collectivités locales sur l'ensemble du territoire béninois. La construction de ce marché, à l'instar des autres infrastructures sur l'ensemble des autres sites du programme, est la marque de l'engagement de la Suisse pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations des départements bénéficiaires, aussi pour créer de l'emploi pour les jeunes et pour améliorer les cadres d'échange des produits locaux de l'agriculture et de l'élevage. Très séduit par non seulement la qualité des ouvrages, mais également de leur impact, les bénéficiaires, par la voix des autorités, témoignent leur gratitude aux partenaires. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes sincères gratitudes à la coopération suisse pour son appui technique et financier énorme. Le centre de l'écoute de l'équipe de mise en œuvre, ainsi que la recherche d'une bonne fonctionnalité des ouvrages réalisés pendant la première phase, ont permis à la SNV de combler les attentes des usagers du marché à bétail de Tchaourou dans une dynamique de large concertation avec tous les acteurs. Visite des infrastructures, les blocs administratifs, animations culturelles, prières et bénédictions sont entre autres temps forts de cette cérémonie inaugurale sur place au marché à bétail de Tchaourou, dont les nouvelles infrastructures permettront d'accroître les recettes de la commune. Voilà, c'est aussi pour offrir du plaisir et surtout du confort aux usagers. Sur tout un autre plan, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé jeudi dernier une réunion d'information sur l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires IRCA. La séance est une recommandation de l'UMOA aux pays membres pour le renforcement des capacités sur la facilitation des affaires et surtout l'investissement dans l'espace. Le point avec Ali Moumouni et Elvis Tounoukouan. Comme recommandé par la commission de l'UMOA, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin a démarré la vulgarisation de l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires IRCA. Cette première réunion d'information commence par les organisations, groupements et associations affiliés à la CCIB et les chefs d'entreprise. Au cours de la séance, les participants ont suivi des communications d'une part sur l'IRCA et ses missions et d'autre part sur les réformes opérées au Bénin pour l'amélioration du climat des affaires. Au Bénin, tout comme au niveau des autres pays, l'IRCA a des structures, des instances qui
permettre à l'IACA d'avoir un sens. Il y a le comité, la structure qui est chargée de la supervision de la coordination. Et cette structure, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. La deuxième instance qui entre en jeu pour l'IACA, c'est la structure de mise en œuvre. Et cette structure, c'est l'APIEX. Et la dernière structure, c'est la structure technique. Cette structure technique est chargée de proposer des réformes. Et dans cette structure, vous avez et le public et le privé. À la suite des différentes communications, les participants ont eu des échanges avec la directrice des opérations de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Ceux-ci ont relevé certaines problématiques et exprimé également leurs attentes quant à l'aboutissement de l'initiative. Chacune des parties prenantes s'accordait en fait sur le fait qu'il était important que public et privé puissent échanger, mais de façon régulière. Aujourd'hui, mes attentes personnelles, c'est que à travers l'IRCA, qu'on puisse avoir ce creuset d'échange, que ça puisse être créé, que ça puisse être fonctionnel. Dans les perspectives de l'IRCA, nous avons vu, ils ont parlé de l'élaboration d'une stratégie régionale de dialogue public et privé. Mais elle est incertaine que ça se passe en 2022 ou 2023. Or, pour le secteur privé, c'est un cadre nécessaire, indispensable, incontournable aujourd'hui pour améliorer véritablement le climat des affaires. Les différentes parties prenantes à cette réunion sont sorties satisfaites des échanges avec l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires IRCA. Non seulement il sera question de la simplification et l'harmonisation des formalités pour les entreprises, mais aussi de l'amélioration du dispositif d'information et de la communication afin de favoriser le dialogue entre le secteur public et privé. Tout à fait. Importance des dons de sang en pleine période de COVID-19. C'est le thème d'une conférence grand public organisée ce samedi matin à Cotonou par justement la division B du Toastmaster, un événement organisé en prélude à la campagne de dons de sang que se creusait en temps faire dans les mois à venir. Précision, Clément Tchadé et Moufid Sabouan. Un samedi chargé pour le Toastmaster International Division B, une conférence grand public pour annoncer les couleurs de sa vaste campagne de dons de sang. Et pour rehausser cette activité, les acteurs de la transfusion sanguine, le corps médical compétent, les universités et autres acteurs impliqués dans la politique nationale en la matière se sont retrouvés ici à la Faculté des sciences de la santé pour discuter des modalités de cette action sociale qui entend impacter les communautés et surtout sauver des vies humaines. L'objectif de ce projet des Toastmasters du Bénin, du Congo et du Cameroun est de susciter l'engouement et la motivation auprès des membres de donner de leur sang pour sauver des personnes qui sont dans le besoin de ce précieux liquide. Ce liquide précieux qui nous est gracieusement, gratuitement offert par le divin créateur, ce liquide, lorsqu'il vient à manquer dans les hôpitaux, c'est le drame qui s'ensuit. Le manque de sang crée des dégâts dans nos hôpitaux. Dans les présentations que vous avez pu suivre, il est dit que l'ensemble des donneurs au Bénin fait moins de 1% de la population. Cela interpelle nos consciences. C'est vrai qu'il y a des préjugés, il y a des réticences, mais il faut communiquer pour briser la glace. Le Toastmaster international donne ainsi l'exemple dans les différents pays de sa division B. Mais au-delà de ses membres, il veut amener les bonnes volontés à faire preuve de bon sens et mieux comprendre la portée de ce geste banal, mais indispensable. L'initiative est soutenue par la direction générale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine qui apprécie à sa juste valeur cette volonté du Toastmaster d'accompagner l'État dans cette lourde mission. Dans l'amélioration de la qualité du système et surtout pour la sécurité transfusionnelle, actuellement, nous sommes dans la dynamique de la mise en place d'une plateforme. Et cette plateforme permettra une fois encore d'améliorer vraiment nos prestations.
le système transfusionnel travaille 24 heures sur 24 en matière de collecte de sang et en matière de qualification des poches de sang pour que la disponibilité soit permanente sur tout le territoire 24 heures sur 24. Et ça, c'est un défi quotidien. En 2020, le Bénin a collecté 81 788 poches de sang contre 92 444 poches de sang en 2021. Mais malgré ces statistiques, le Bénin est toujours en manque de ce précieux liquide. Cette action du Toastmaster international vient donc à point nommé. Au-delà de ses membres, l'organisation appelle à une mobilisation collective de toute la population afin de sauver des vies humaines. Parlons maintenant de la 4e Assemblée Générale Ordinaire de l'association Solidarité Partage. Cette année, les assises ont lieu à Savalou et les responsables de l'association s'affairent dans les préparatifs au programme une action sociale à l'endroit de certains orphelins de la cité. Cette Assemblée Générale Ordinaire sera aussi l'occasion de faire le point du chemin parcouru et de définir des perspectives. Suivez ici les organisateurs qui nous donnent plus de détails. L'association a été créée en fait pour aider la couche vulnérable de la population, surtout les orphelins de père et de mère. Parce que ceux-là, on a jugé que ceux-là, ils ne sont pas avec leurs parents, ils ont perdu leurs parents. Donc, il y a une certaine tristesse chez eux, ils ne vivent pas bien. Donc, on s'est réunis. Et on a décidé de venir en aide à cette couche de temps en temps. Donc une fois par an, on choisit une commune et pendant un week-end, on leur donne la joie, un instant de bonheur. Les leitmotifs de l'association n'ont pas changé. C'est de l'entraide, c'est de se mettre ensemble pour assister les couches vulnérables. Et c'est dans cette optique qu'on a choisi cette année Savalou. Donc déjà, tous les membres seront là. Et l'activité s'étendra sur 3 jours. Forcément, il y aura l'Assemblée générale, il y aura un concert, il y aura une soirée, il y aura de nouveaux membres qui seront présentés. Et pour cela, nous avons eu de la chance cette année parce que les autorités de la ville de Savalou seront avec nous. Et c'est le lieu de dire merci déjà au maire qui est en train de nous faciliter la tâche. Il y aura beaucoup de thématiques qui seront développées. Les enfants, surtout les couches vulnérables, les orphelins. Il y a beaucoup de situations pas trop gaies que nous traversons actuellement au niveau de Savalou. Il y a des enfants qui sont vraiment laissés pour compte. Et la SPA a décidé de les accompagner à sa manière, avec les moyens dont nous disposons. Outre la section ordinaire de l'Assemblée générale, le bilan qui sera fait cette année, l'objectif c'est toujours de ramener de nouveaux membres parce qu'il ne faut pas oublier, on a besoin de fonds, il y a des cotisations qui se font, tout et tout. Donc on a besoin des membres vraiment actifs qui pourront nous accompagner à faire rayonner l'image de l'association parce que ça fait quand même 14 ans. Et donc c'est surtout ça. Et chaque année, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouveaux objectifs qui sont là. Nous allons débattre autour de tout ça. Bon, il ne faut pas oublier aussi que 14 années, c'est maintenant, et 15 ans, c'est l'année prochaine. Et donc déjà, nous allons déjà débattre des 15 ans de vie de l'ASP. Et déjà, sur ça, nous sommes en train de réfléchir, parce que l'année prochaine, nous allons pouvoir sélectionner 15 enfants dans 15 communes déjà parcourues. Et ces 15 enfants, nous allons les faire voyager. Voilà, c'était quelques responsables de l'association en solidarité et partage. Du sport, pour mettre un terme à cette édition et direction, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui célèbre ses talents, une occasion saisie pour présenter les performances réalisées par les clubs qui font parler de cette structure dans les championnats nationaux. Lumière a surtout été faite sur 2 disciplines. Le handball et le football. Voici le point de cette cérémonie avec Teddy Goudalo et Eder Mpevi. C'est dans cette ambiance que la Caisse nationale de sécurité sociale a célébré ses talents sportifs qui ont pris part au championnat professionnel saison 2020-2021. Il s'agit des clubs AS Cotonou dans la catégorie football et Flowers Handball Club, hommes et dames. AS Cotonou a d'abord occupé la 2e place dans la phase de groupe. Et ensuite,
terminé 9e sur 34 équipes en compétition sur l'ensemble du championnat. Pour la saison 2021-2022, AS Cotonou a réédité l'exploit en terminant 2e sur 9 équipes dans la phase de groupe et ainsi se qualifier pour la Super League Pro, synonyme de première division qui démarrera le 26 février prochain. En ce qui concerne le handball, Flowers a été sacrée équipe championne aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Avec ce sacre, nos deux équipes participeront au championnat d'Afrique des clubs champions et au championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe au cours de cette année, avec l'ambition de rivaliser avec les grands clubs de handball africains. Une performance saluée par l'ensemble des membres du conseil d'administration de la CNSS, le maire de Cotonou et bien d'autres personnalités ici présentes. Les deux équipes de Flowers Handball Club reçoivent officiellement leur trophée et promettent fournir l'effort nécessaire pour hisser haut l'étendard du club. Les équipes professionnelles de football AS Cotonou et de handball Flowers de la CNSS Sport participent déjà aux championnats nationaux. Il est alors apparu nécessaire, en ce moment de trêve sportive, de présenter nos équipes professionnelles aux acteurs de la gouvernance de la CNSS, la tutelle et le conseil d'administration, mais aussi à toute la communauté nationale. Quant aux footballeurs, vous venez de faire la moitié du parcours. Ce n'est pas négligeable. Le conseil d'administration, par ma voix, vous encourage et vous exhorte à prendre conscience de votre potentiel, à redoubler d'efforts afin d'être sacré champion à la fin de la saison, comme vos collègues handballeurs. C'est avec joie que je constate que la Caisse nationale de sécurité sport s'est engagée dans le sport féminin avec l'équipe professionnelle féminine de handball. Mon souhait, c'est-à-dire le souhait de Mme Adiatou Baptiste, est que votre action s'étende à d'autres disciplines avec le temps avec les filles. Il me plaît également d'insister sur la formation à la base. La pérennité des efforts consentis aujourd'hui est tributaire de la disponibilité d'un vivier de jeunes bien formés. Quant à la mise à disposition des moyens au profit des clubs AS Cotonou et Flowers Handball Club, la Caisse nationale de sécurité sociale rassure tous les joueurs et leur staff technique. Rendez-vous est pris pour une seconde édition de célébration des talents sportifs de la CNSS qui s'annonce déjà plus intéressante. Voilà, reconnaissance donc des dirigeants au bout des efforts de ces athlètes. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir. Quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation par ma voix vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.